Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire le cup song. Donc pour l'instant je vais commencer avec un gobelet. D'accord? Donc je vais vous apprendre ce morceau-là, donc je vous le fais. Alors il y a deux façons, mais je vais vous montrer les deux. Ça c'était la première. Maintenant la deuxième. Voilà, donc je vous apprends la première méthode et ensuite la deuxième. Donc c'est très simple. Au début, on commence à faire ça. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, 3. C'est très simple. Donc après, 1, 2, 1, 2, 3, on retape 1 et là, on prend le verre. On le déplace. Donc ça donne ça. 1, 2, 1, 2, 3, 1, on déplace. Voilà. Après, on va retaper les mains. Et là, on va venir prendre le gobelet comme ceci. Le taper sur la paume de la main, comme ça, donc ça fait ça. 1, 2, 1, 2, 3, 1, on déplace. Hop, on prend le gobelet et sur la paume de la main. Voilà. Donc après qu'on ait fait ça, on va prendre le gobelet comme ça et là on va faire ça. Hop. Après on va reprendre le gobelet comme ça et après on va faire. Donc ça donne ça. 1, 2, 1, 2, 3. 1, on déplace. Hop, prends le gobelet, paume. Voilà, donc je vous le fais rapide. Voilà, donc on va le refaire une dernière fois pour voir si vous avez tout mémorisé. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 1, on déplace, 1, prend le gobelet, pomme, tape, voilà. Maintenant, on va prendre la deuxième méthode, donc je vous la remontre. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que là, c'est une histoire de prendre, de poser, de croiser, voilà. Donc, je vais vous expliquer. Donc, le début, c'est pareil comme la première méthode. Donc, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 1, on déplace. Et c'est là que tout change. Donc là, ça fait, on retape, prend le gobelet comme ça, et là on fait, tape, pose, tape, et là on fait, croiser. Voilà. Donc je vous remontre. 1, 2, 3, 1, on déplace. 1, frappe, pose, frappe, et voilà, croiser. Donc je vais vous apprendre surtout, voilà ça. Alors, c'est très simple. Enfin, voilà, pour moi. Alors, donc après qu'on ait fait, on déplace. Voilà. On va prendre le gobelet comme ça. Et là, on va faire frappe. Comme ça. Frappe, donc ça fait, on déplace. Tape, prend le gobelet. Paf, voilà. Et après, on va faire ça. Contre... la table, donc ça fait ça, 2, 1, 2, 3, 1, on déplace, 1, prend, frappe, pose, voilà, et après, eh bien, on va reprendre le gobelet, donc après qu'on ait fait ça, voilà, on ne le lâche pas, hein, surtout sur, on le laisse sur la pointe, et on le reprend pour refrapper, hop, et après là, la main, on va la glisser, croiser, et voilà. Donc ça donne ça. 1, 2, 1, 2, 3. 1, on déplace. 1, prend, frappe, pose, frappe, croisé. Voilà. Donc je vous le fais un peu rapide. Voilà. Donc maintenant, je vais vous reprendre celui du début pour que vous n'ayez pas oublié. Donc ça donne ça. Je vais enchaîner les deux.
Voilà. Donc, maintenant, on va faire avec les deux gobelets. C'est ce qui est un peu plus dur, la partie, parce que c'est une histoire d'attraper et tout le bordel. Donc, voilà. Alors, là, cette fois-ci, je vais faire comme ça, parce que sinon, on va rien voir. Voilà. Voilà. Donc, le début, c'est tout pareil, sauf qu'en fait, il y en a deux. Voilà. Et là, par contre, je vais ni utiliser celle-là, parce que je sais pas comment je vais faire là pour faire ça avec deux gobelets, et celle-là aussi avec deux gobelets. Je sais pas du tout comment je vais faire. Donc, du coup, c'est une méthode beaucoup plus différente et beaucoup plus difficile. Donc, ça donne ça au début. 1, 2, 1, 2, 3, 1. On déplace les deux. Voilà. Il faut au moins un espace pour pouvoir mettre les deux mains et attraper. Voilà. Voilà. Donc, je recommence. 1, 2, 1, 2, 3, 1. On déplace les deux gobelets. On frappe. Hop. On prend les deux gobelets. Là, on va faire comme ça. Voilà. C'est beaucoup plus difficile. Donc, je vais vous remonter comment ça fait quand je monte. Donc, hop. Comme ça. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça. Après, je sais ce que c'est dans ma tête. Donc, voilà. Donc, on recommence. Ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 1. On déplace. 1, prend, frappe, hop. Croisé. Voilà. En fait, au cas de ne pas vous faire mal, parce qu'il y a ma petite cousine, une fois, elle avait fait ça, là. Paf, elle est assez coincée les deux doigts. Ce qui n'était pas très sympa, quoi. Donc, voilà. Donc, on recommence. Voilà. Alors, sinon, attendez, je vais essayer un truc parce que ça résonne pas trop bien. Ah voilà, c'est mieux. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 1. On déplace. Prends, pose. Voilà. Là, il faut surtout bien insister en faisant comme ça, là. Hop. Et là, on va frôler les deux verres. Et là, ça va faire... Il faut bien insister à faire un après l'autre. Parce que si on fait comme ça, là... Non, hop. Ça résonne pas trop bien quoi. Donc voilà. Donc on va essayer un peu plus rapide. Voilà. Donc on va faire un petit enchaînement depuis le début. Donc c'est parti. Non, avec un gobelet bien sûr. Allez. J'ai pas bien tapé celui-là, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, pour aller plus vite par 10, c'est peut-être un peu compliqué parce que tellement qu'on va super vite, on s'embrouille. Là, ça fait la barque et voilà quoi. Donc je vais essayer d'aller plus rapide, mais vous allez sûrement rigoler parce que je vais peut-être me tromper. Donc ça dépend. Voilà, je me suis trompée. Donc, on recommence. Voilà. Donc, on recommence une dernière fois. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime ou des j'aime pas, ça dépend. Hein. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.